Tout a commencé par une caravane motorisée partie du ministère provincial de l'Intérieur et Sécurité du Tanganyika, passant par le boulevard Lumumba pour chuter au rond-point Kichanga, lieu qui a été prévu pour la cérémonie du lancement ce samedi 22 juillet 2023 de la campagne de distribution des masses de moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILD en sigle, chant, théâtre, danse folklorique, exécutée respectivement par les artistes de la place, la troupe théâtrale Simba et Tubungé était au rendez-vous avec l'objectif de faire passer le message à la population du Tanganyika de dormir tous sous une moustiquaire imprégnée d'insecticides qui sera distribuée gratuitement pour en finir avec le paludisme. Cet événement de la distribution gratuite des moustiquaires rendu possible dans le Tanganyika par l'ONG Sanru via son partenaire, le Programme national de lutte contre le paludisme, PNLP en sigle, avec le soutien financier du Fonds mondial, son lancement a eu lieu en présence des autorités politico-administratives, des délégués et des représentants des agences du système des Nations Unies, les membres du gouvernement provincial, des organisations non gouvernementales, le ministre provincial de la Santé, Bob Morichaud, et autres invités de marque. 866 314 ménages seront concernés par cette campagne dans la province du Tanganyika, d'après les chiffres avancés par les partenaires pour cette édition 2023. Les activités suivantes ont été réalisées. Sur le plan logistique, 2 254 000 moustiquaires imprégnés ont été achetés et rendus disponibles dans la province et seront gratuitement distribués à 866 314 ménages que compte la province du Tanganyika, visant ainsi la couverture universelle de la province, soit 80% de la population couverte. C'est le ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité, Maître Dieudonné Kasaka Mulonda, représentant personnel de Madame le gouverneur Julie Ngongwa Mayuma, qui a officiellement lancé cette campagne, tout en indiquant que la dite campagne durera 7 jours. Chers responsables de ménage, posséder une moustiquaire est une bonne chose, mais elle n'est pas suffisante. L'utiliser systématiquement et correctement et sans doute ce qui importe plus. Et c'est cela qui justifie l'engagement, les efforts du gouvernement et de tous ses partenaires impliqués dans la lutte contre le paludisme en RDC. À tous les bénéficiaires de ces moustiquaires, nous disons tout au ceci. Dormez et faites dormir tous les jours, toutes les nuits, tous les membres de votre famille sous la moustiquaire imprégnée d'insecticides. C'est pour cette invitation à la bonne et systématique utilisation de la moustiquaire que je lance solennellement en ce jour la campagne de dénombrement des ménages couplés à la distribution gratuite des moustiquaires dans toute la province du Tanganyika. Juste après cette série d'allocutions, le ministre Dieudonné Kasaka s'est rendu dans quelques ménages pour donner symboliquement le go de la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés, tout en prodiguant des conseils aux bénéficiaires de les utiliser et y dormir correctement.